vous étiez là. Bonjour. Alexandre m'a informé qu'en termes de sécurité, au sein de leur société ou chez cet artisan, Itier, ils ont mis en place des actions concrètes. On va aller voir tout ça. À tout à l'heure, Alexandre. Monsieur Itier, bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Alors, en termes de sécurité, vous utilisez un exosquelette. Pour quelle raison ? Pour améliorer la qualité de vie au travail de nos collaborateurs. Ça permet de diminuer les troubles musculo-squelettiques et d'attirer les jeunes talents, protéger les gens qui travaillent pour nous. Et vous communiquez avec vos employés par rapport à l'exosquelette ? Oui, c'est très important parce que nos collaborateurs vont nous permettre d'améliorer l'outil en nous donnant leurs conseils, notamment sur la partie de l'appui-tête qu'on a fait rajouter sur cet exosquelette. Eh bien justement, il y a Pierre qui est là, qui utilise l'exosquelette et on va lui demander ce qu'il en pense. Ben, c'est un vrai soulagement au niveau des lombaires, les dorsaux, les cervicales et ça rattrape les mauvaises postures. Donc c'est un vrai plus ? Que du bonheur. D'ailleurs, je vous propose de l'essayer. Ah. Ben, avec plaisir. C'est parti. Vous avez également mis en place des actions en faveur de l'environnement. Tout à fait. Nous avons accueilli 3 ruches dernièrement pour devenir les futurs pollinisateurs de demain. Alex, pourquoi avoir installé un système de sécurité en hauteur ? Notre ancien système de sauvetage était compliqué à mettre en œuvre. Du coup, on a cherché un moyen simple pour pouvoir évacuer une victime en cas de malaise. D'ailleurs, je t'invite à essayer par toi-même. Non, moi je suis pas très à l'aise avec la hauteur. Si, j'insiste. Eh bien, soit. Je peux vous dire que le système est super au point. Merci Alex.